Salut à tous les amigos et bienvenue, c'est Bubix. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de ma série de Let's Play sur Factorio. Au programme aujourd'hui, et bien maintenant qu'on a été voir, qu'on a été visiter les alentours, bon, on va rester dans notre base, hein, parce que aux alentours, il y a beaucoup d'extraterrestres et je vais rester au chaud là où je suis bien protégé. Donc, au programme, eh ben, on va continuer notre exploitation, on va éventuellement développer le pétrole, on va continuer à protéger, protéger nos installations pour éviter tout problème d'extraterrestre, hein, comme on a pu connaître. Et puis voilà, hein. Tiens, c'est curieux que là, il n'y ait pas d'électricité qui soit utilisée. Ah, bah oui, il n'y a plus de charbon. Ah, problème de charbon, urgent, alerte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah voilà ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de son? Ils m'ont coupé la ligne. Pour faire ça, hein. Merde, c'est pas ça pour réparer. Ok, très bien. C'est parti. Donc là, on va remettre des murs, hein. Parce qu'il faut protéger ma zone, là. J'ai envie de te dire, pour l'instant, on va poser des murs comme ça, et on verra bien comment ça va se passer après. Ah, bah il va manquer 2-3 murs. Ah, c'est fou, hein, je me fais attaquer par les extraterrestres un peu dans tous les sens. Donc il va vraiment falloir que je sécurise ma base comme il faut, hein, parce que ils font pas de cadeaux. J'ai pas trop découvert ce qu'il y avait par là, d'ailleurs. De toute façon, on va essayer de devenir indépendant au niveau énergétique, c'est-à-dire mettre des panneaux solaires partout. Au niveau des lignes de prod, du coup, bah pour l'instant, ça me convient, hein, comme c'est. Ouais, ça me convient comme c'est. C'est un peu le bazar, mais c'est quand même pas tant le bazar que ça. Ici, on va prendre, ah, voilà, 998 murs en pierre. On va aller commencer la zone pétrolifère. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Ah, des chargeurs, très bien. Voilà, donc la zone de pétrole, elle est là. Ok, donc on va essayer de l'englober totalement. Donc on va couper un peu d'arbres. Voilà. Et on va faire un beau mur tout autour. Ah, je me suis enfermé. Je suis bien, moi. Il n'y avait pas moyen de faire des portes. Peut-être après, c'est peut-être une amélioration. Hein. On va se faire une entrée comme ça. On va se mettre des tourelles partout. Voilà. Même déjà, sans chargeur, je sais pas si je vais pouvoir tenir toutes les toiles. On va en mettre 50, hein. Voilà une zone qui est safe. Alors, voilà notre zone qui est sécurisée. Maintenant, on va s'occuper du pétrole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des puits de pétrole. Ah, j'aurais pas pu les lancer avant, tiens. J'ai de quoi stocker du pétrole, je crois. Et au niveau électricité, on est comment? Voilà les questions qu'on se pose actuellement. Niveau électricité... niveau électricité, il m'en manque, hein. Donc, niveau électricité, il manque du jus. Donc, on va gérer ça d'abord. On va s'agrandir notre zone de... d'électricité par là-bas. Ah non, on va pas faire ça en fait. Ah, je vais démonter tout le mur qui est là. Très bien, et là on y va pour les panneaux solaires. Panneaux solaires, normalement, j'en ai une belle quantité, donc on va pouvoir se lâcher là-dessus. Ah, recherche terminée. On va aller regarder ce qu'il y a dans le pétrole. Incendia. Allez hop, rechercher. Ah merde. Ah, mais je fais deux fois la même connerie. Le truc, c'est que je me demande si ça servirait pas à ça, les accumulateurs. C'est-à-dire que, est-ce que l'énergie produite par les panneaux solaires, bah du coup, la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, il me faut absolument que j'accumule l'énergie dans la journée. Parce que je suis sûr que là, en fait, parce que tout à l'heure, j'ai regardé, il faisait nuit. Je suis sûr que là, je produis assez. Et ouais, c'est ça. Il faut que j'accumule l'énergie. C'est surtout ça, ma problématique numéro 1. On va protéger notre zone, nouvelle zone de panneaux solaires, quand même. Voilà, on va y mettre des toiles. Ah, peut-être une sur deux, ça suffira. Et on va mettre, évidemment, des chargeurs dans les toiles. Ah, recherche terminée. Prochaine recherche, il me faut du bleu. Je commence à avoir beaucoup de recherches où il me faut du bleu, hein, donc ça va devenir compliqué au bout d'un moment. Après, de toute façon, ça, c'était que de l'armement. Moteur électrique. Ça y est, ils m'attaquent encore. Ils attaquent hyper souvent, quand même, hein, je trouve. On va se mettre les pylônes électriques. Alors, les pylônes, on va tout faire parce que là, il m'en manque beaucoup. Ça y est, on est parti dans l'industrialisation, là, quand même, hein, parce que cette quantité de panneaux solaires que je suis en train de placer, un truc de fou, quand même. Hein. Et j'ai pas fini parce qu'il m'en reste dans les mains. Toc, et il me faudra une ligne là. Et il manque de quoi faire des panneaux. Ah, il manque du matériel, là. Je vais aller chercher du matériel.
Il y en a de plus en plus qui m'attaquent par le nord. Ils se font bien défoncer, ça va. Du coup, du matériel. Ah, le cuivre commence à avoir quelques difficultés à se remplir. On va récupérer un max de fer. Hop, c'est parti. Alors, des panneaux, des poteaux électriques. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait d'autre? On va vérifier les chargeurs. Au niveau des murs, j'en ai toujours plein sur moi, donc ça c'est cool. Voilà, on va remplir là, avoir un peu moins de matos sur moi, sur certaines choses. Ok, donc là effectivement, voilà, c'est ça, la satisfaction n'est pas bonne parce que mes panneaux solaires ne me servent à rien la nuit, c'est logique. Alors des accumulateurs. Ah, il faut que je fasse des batteries pour faire des accumulateurs. Aéronautique, robotique. Ah, génial. Allez, robotique. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de poser des panneaux solaires, mais où est-ce qu'ils sont? Je les aurais pas fait tomber par hasard? Ah non, j'étais en train de réfléchir aux accumulateurs, c'est vrai. Et qu'il fallait faire des batteries. Comment on fait des batteries? Ah, c'est là. Putain, de l'acide sulfurique. Il me faut du soufre. Et comment on fait du soufre? Il me faut de l'eau et du gaz pétrolifère. Alors là, je sens qu'on va faire des trucs de dingue avec le pétrole. Ok, il y a du boulot. Donc effectivement, les accumulateurs, on n'est pas prêt de les faire. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, je vais avoir une bonne prod le jour et la nuit. Là, j'ai une sacrée zone de panneaux solaires. Elle est jolie, hein. Elle est chouette ma zone. Ah oui, ça y est, j'ai compris pourquoi. On va sécuriser la zone aussi là parce que regardez, il m'a encore pété. Voilà, on va péter ça. Je vais venir sécuriser toute cette zone là. Voilà, au moins... Fais voir tes cheveux, papa. Je veux te coiffer un peu. Charlie, 7 ans. T'es gentil, mon gars. Tu me laisses faire ma vidéo, s'il te plaît? Bon, alors, on va mettre des chargeurs, comme d'hab. On va en mettre 50 dans chaque. Hein. On a une zone sécurisée. Ça, c'est plutôt cool. Les fours, a priori, il n'y a pas assez de matière qui arrive. Donc, on va faire quelques petits extracteurs supplémentaires tant qu'on est dans le coin. Si j'en ai pas déjà sur moi, a priori, non. 4, 6, 7. Je ne sais pas combien j'en ai lancé, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, recherche, on va avancer. Vitesse des robots ouvriers, capacité de transport des robots ouvriers. Ah, je peux faire des robots ouvriers. Alors, robot. Châssis de robot volant, éléments de moteur électrique, et il faut du lubrifiant, tout ça. Waouh, ça va commencer à devenir hardcore là. Non, on est parti dans le pétrole et surtout j'ai pris du retard sur le pétrole, donc il va falloir que je me rattrape là-dessus et que bah du coup je fasse. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert les commutateurs. Ouais, je me renseigne. Allez, c'est parti. Donc la prod de fer est au rendez-vous. La prod de cuivre va arriver. Effectivement, il faut que je règle ce problème d'électricité assez rapidement. Pour ça, il va falloir que je crée des batteries. Mais pour faire des batteries, il me faut... Il y a encore du minerai, là. À 39. Ok, pétrole. Donc, on va faire deux puits de pétrole. Oh, j'ai une belle attaque, là. On y va. On raccorde tout ça. On met de l'électricité dans le secteur. Ah merde, là, il n'y a pas d'électricité. Ouais, attends, c'est celui-là que j'ai enlevé, en fait. Yes. Alors, là, ça me produit du pétrole, d'accord. Ensuite, une fois que j'ai du pétrole de produit, j'ai une raffinerie. J'ai une usine de produits chimiques. On va tester ça et ça. La raffinerie, j'ai fait l'usine de produits chimiques. On va juste la poser déjà, voir un peu ce que ça donne. Ok, il suffit juste de passer le pétrole dedans et ça me fait du... Alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'avais fait un espèce de renfoncement, mais je vais faire toute la zone de chimie ici. Ce qui serait bien, c'est que j'arrête mon mur quand même par là, histoire de ne pas oublier que là, il y a mon conduit principal. Voilà, on va protéger cette zone aussi. Super. Pourquoi les robots ouvriers, ils avancent pas? Ah, ben, parce qu'il faut du bleu, j'ai pas de bleu. Noob. Qu'est-ce qu'il fallait pour du bleu au fait? Parce que je suis en train de me dire, je fais pas de bleu, mais... Ah, des circuits électroniques rouges, et les circuits électroniques rouges, il faut quoi? Pas grand-chose de plus. Ah si, des barres de plastique. Alors, par là, on va faire toute la zone de pétrole, c'est parti. Et on va mettre une première raffinerie ici. Voilà, qu'on va relier par des tuyaux. Plus de tuyaux? Un petit poteau électrique qui va bien. Et là, normalement, ça me produit du pétrole. Ah, ça me produit trois trucs. Ça me produit du pétrole lourd, pétrole brut, non, pétrole lourd, le brut c'est l'autre,
pétrole léger et gaz pétrolifère. Ok. Ah bah oui, regarde, il y a les trois sorties. Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec la raffinerie maintenant? Alors, je peux faire de l'acide sulfurique, combustible solide, machin, batterie. Ok! Et du soufre. Alors, c'est là, il va falloir faire tout un truc de tuyau parce que il va falloir être fin. Qu'est-ce que je voulais faire? Des batteries. Donc, on va faire de l'acide sulfurique. Et tu vois, effectivement, je vais avoir besoin de la chaîne de prod qui va venir jusque-là parce qu'il faut faire de l'acide sulfurique et d'autres éléments. L'acide sulfurique, il me faut des plaques de fer, du soufre et de l'eau. Ah bah tu vois, il me faut déjà aussi du soufre. Du soufre, je le fais avec de l'eau et du gaz pétrolifère. Donc tu vois, il va falloir aller chercher de l'eau. Ça, ça va. Est-ce que je peux pas faire une pompe? On va faire ça. On va se faire une pompe. Elle est où ma pompe? Elle est là. Alors on était... c'est pas vrai ciel. Du soufre au gaz pétrolifère. Toc, un tuyau qui va là. Non, on va faire plus simple. On va faire des tunnels. Ah, recherche terminée. On enchaîne, bonus des bras robotisés. Non, qu'est-ce qu'on peut faire de plus là? Ah, aéronautique, très bien. Toc, on va se faire la pompe par là. Ça m'a bouffé tous mes tuyaux. C'est incroyable. Voilà, un petit poteau électrique qui va bien. Voilà, et là c'est parti pour me faire du soufre. Ah merde, c'était dans l'autre sens. Ah, il n'y a pas le choix sur l'arrivée de soufre. Ah, c'est chiant. Voilà, comme ça. Et du coup, la pompe. Voilà, c'est parti. Ah mais attends, il faut de l'eau raffinée ou quoi? C'est quoi ce bazar? J'ai pas d'eau là-dedans? Ça pompe quoi alors ça? Bon, on va aller chercher de l'eau là-bas. Hein. Bonne vieille méthode, celle-là marche. Je sais pas trop à quoi sert cette pompe alors. Ouais, c'est ça. Tuyau. Ah, je me fais gravement attaquer sur ma mine de cuivre, j'espère que ça va tenir. Ouais, ça a l'air. Ok, ah putain. Les tuyaux, ça va à une vitesse là-dedans. Ah là, c'est bon, il y a de l'eau. Parfait. Donc là, ça produit bien. Ça, comment je l'extrais? Je l'extrais aussi par des tuyaux? Ou je l'extrais par un tapis? Ok, c'est par un tapis. Ça, c'est une chose de faite. Maintenant, donc ça, j'ai fait ça, c'était pour faire ça, et là, il me faut que de l'eau, plaque de fer, soufre. De l'eau, plaque de fer, soufre. Donc, voilà, on va commencer à faire venir les lignes, en fait. Les lignes de prod. Toc. Ici, on fait venir, donc, du fer. On a fini les aéronautiques, tiens, les recherches. On va aller chercher plus loin. Robotique de construction. Le fer, ok. Faut protéger nos lignes, là. Donc je vais refaire des murs autour. En fait, je passe mon temps à faire ça, à me protéger en fait. En même temps, c'est indispensable parce que sinon, il me bousille tout. Ouais, il va me falloir du fer d'ailleurs, tiens. Ouais, je fasse une ligne de prod quand même, de tunnel et de répartiteur. On n'y est pas. Alors voilà, ça c'est fait. Ici, on va mettre une deuxième ligne de prod. Il me faut des répartiteurs. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais en mettre un comme ça. Ah, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai débloqué un succès. Très bien. Ah oui, les robots constructeurs. Robotique de construction. Les robots de construction réparent les structures et construisent celles... Et reconstruisent celles détruites. Vous pouvez aussi dire à vos robots où placer de nouvelles structures en y construisant un fantôme. Très bien. Coffre de stockage logistique, coffre d'approvisionnement logistique, robot de construction, construit et répare automatiquement les entités. Il faut faire un châssis de robot volant, robot port. Oh là là, il y a tellement de trucs. Bras robotisé, haute capacité filtrable. Oh là 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 là. Des craves de partout, quoi. Je sais pas où donner de la tête. Donc, on va mettre un dédoubleur là. Et comme ça, ça part dans ce sens-là. Ici, il faudrait que je remette un autre dédoubleur. Et il en faut, il en faut. Ah non, à moins qu'on fasse une ligne de chaque, ça suffira. Ça sera très bien. Mais il me faut quand même d'autres dédoubleurs, hein. Pas déconner. Hein. Je pourrais pas faire une chaîne de prod de ça parce que ça m'agace de les faire, en fait. Alors, acide sulfurique, plaque de fer, soufre, eau, tout ça, tout ça. Bah alors, plaque de fer, on va les faire avancer jusqu'au bout. Jusque là, pas trop loin, en fait.
jusque là c'est déjà pas mal. Donc il me faut une raffinerie. Plus t'avances en fait et plus il y a de craft qui se complexifie. J'adore. Alors, on a dit qu'on voulait faire ça. Mais pour ça, il faut plaque de fer, soufre et eau. Alors l'eau, je vais la faire venir de là-haut. Ça, pas trop de soucis. On va faire ça. Et là, on va faire venir le... On va faire des lignes de prod pour les matériaux qu'on a, dont on a besoin. Hein. Comme ça. Lui, il va venir vider ses poches par là. Très bien. On va tout de suite lui mettre un petit dédoubleur. Qu'est-ce qu'il me fallait? Le truc, c'est que ici, il faudrait que je stocke des trucs. Je crois qu'il y avait des réservoirs. Ah, et des... on peut faire des barils. Barils vides. Ok. Et pas des réservoirs. Peut-être dans les recherches. Ah bah tiens, recherche terminée. L'énergie nucléaire. On va peut-être pas aller jusque-là. Comment on retrouve le... la voie du pétrole? Alors, pétrole. Non. Je pensais... Tiens, laser, rechercher, c'est pour faire les tourelles. Laser, ça, on a parlé. Alors, lui, c'est ça, c'est... il faut vraiment que je m'occupe des autres prods pour libérer ma raffinerie, hein, parce que du coup, voilà, j'ai ma raffinerie qui est pleine, et je sais pas quoi faire de ces matériaux, ce qui fait que ça reste dans ma raffinerie, et je peux rien faire avec. Il faut vraiment que je trouve quoi faire. Si je me fais un tonneau comme ça, ça me fait une belle jambe, hein, mais je vais pas m'amuser à... Comment je fais? Je suis embêté là. Je suis embêté. Je vais faire des barils, mais ça m'embête en fait. J'aurais préféré stocker. Bon, après, peut-être que je peux faire d'autres trucs avec les machins. Ouais, j'ai les canalisations d'eau qui passent en plein milieu. Ça m'arrange pas des masses. Je les aurais pas mis là. Ça aurait été mieux quand même. Hein. On va faire un petit peu de changement par rapport à ça. Voilà, si on fait un tuyau qui vient comme ça. Peu importe en fait, parce que ça me gêne toujours un peu. Il faut que je fasse plus de raffinerie et je vais raffiner ce qu'il y a à raffiner, hein, écoute. Voilà, il y en a un qui se balade là. D'où il y en a qui se balade dans ma base. Alors, on va mettre ça comme ça. Là, on va venir raffiner ça. On va se faire des tuyaux. Ah, mince, je suis branché sur l'eau. Alors, pour faire ça, il me faut juste ça. Donc, ça, c'est parfait. Les recherches, c'est terminé. Ah, les tourelles laser, pour l'instant, c'est pas possible. Bon, on va faire les recherches qui sont possibles, hein, pour l'instant. Voilà, il me reste plus qu'à vider ça. Je suis pas trop satisfait de mon installation, là. Hein. Franchement, non, je pense que la raffinerie, il faudrait que je la mette un peu plus au milieu. On va tout changer. Je commence à être surfull aussi de certaines choses. Allez, où la raffinerie? Là, je la vois plus. Recherche terminée déjà, on va enchaîner avec la recherche d'après, ça sera fait. On va placer la raffinerie au milieu comme ça plutôt. Voilà, je vais démonter ce que j'ai commencé ici pour l'instant. On va mettre une première prod. Non, on va pas mettre de première prod. On va mettre un poteau électrique qui vient par là. Voilà, donc là, on raffine du pétrole. Le pétrole machin va faire trois trucs. On va faire trois tuyaux. Voilà. Un premier tuyau qui va venir par là. D'ailleurs, on va pas mettre des... Oh putain, attaque en plein milieu de la base, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent en plein milieu là? Par où ils sont rentrés? Alors, ils m'ont pété mes... Qu'est-ce qu'elles ont mes tours? Ah, je crois qu'ils me les ont pété, ouais. Enfin, c'est bizarre. Ah bah oui, il n'y a plus de mur là. C'est pour ça qu'ils sont rentrés depuis tout à l'heure. Ok, on va continuer les améliorations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, je sais même pas ce que c'est, je fais. Ici, ils m'ont pété un pylône électrique. Il manque un four, là. Ah, attends, il y a des trucs qui me servent à rien, là. On va se débarrasser. Voilà, c'est mieux. C'est carrément plus compliqué, le pétrole, là. J'ai du mal à avancer dessus. Pourquoi je les vois en violet, les machins? Ici, c'est OK. Donc ici, on va se faire notre petite prod 2. Alors, on va se la mettre comme ça. Ici, on va faire venir notre tuyau d'eau. Voilà. Tuyau d'eau. C'est parti. Les recherches, vitesse de tir des balles, allez, vas-y. Ici, tuyau d'eau, c'est connecté. Donc, ensuite, un poteau électrique. Là, tu vas me produire, donc, du soufre. Hop. Et on va mettre là un dédoubleur, même tarif hein, que tout à l'heure. Voilà, comme ça, on va faire une belle production de soufre. Ok, ensuite, il faut que je produise combustible solide. Là, tuyau. Voilà, comme
comme ça, comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres crafts où j'en ai besoin? Du lubrifiant. On va faire du lubrifiant. Et là, tuyau. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce pétrole léger? Allez, on va faire ça. Hop, on va alimenter en électricité. Voilà, c'est parti. Les recherches sont terminées, on avance. Donc là, pour l'instant, tout va bien. C'est juste, je sais pas quoi faire de ces liquides maintenant. J'ai du lubrifiant et tout ça, je sais pas quoi en faire. Et ouais, je vais être encore embêté comme ça, parce que là, je peux pas en mettre plus. Donc, c'est pas la solution. Faut vraiment que j'arrive à stocker ces matériaux dans un premier temps. Alors, pour les stocker, fabriquer dedans. Donc, on va mettre ça. On va en faire deux. Un coffre, comme ça. Un bras, comme ça. Ici, on va mettre tous nos cristaux, là. Voilà, très bien. Ça c'est parti. Alors comment stocker ça? On va essayer de stocker. Alors si je pose ça comme ça, on va voir, on va aller dedans. Moi ce que je veux c'est ça. Putain ouais mais il faut, à chaque fois il faut que je me produise un... Putain c'est chiant. Il n'y a pas moyen de stocker ces, ces trucs. Je suis sûr que dans les recherches il y a moyen. J'ai pas trouvé le réservoir. Et si je tape réservoir, non ça marche pas. Réservoir, bah si j'ai ça, manipulation des fluides. Moyen de stocker les fluides. Ah, ça se trouve, c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Hein. Écoute, comment je fais par contre pour faire ça? Il me faut de l'acier aussi, alors faut faire venir la ligne d'acier. Allez, on va faire venir la ligne d'acier. Ah, problème d'appro par ici. Vite, vite, urgence. C'est chiant que ça soit en violet parce qu'on voit plus très bien maintenant. Ça, c'est plein. Ah d'accord, très bien. La chaîne de tapis roulant est pleine. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Faire venir la ligne de... Tout à fait. Faire venir la ligne de... d'acier. Voilà. Ah, recherche terminée. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est? Dégâts des cartouches. Je n'utilise pas les cartouches. Oh, militaire 2. Ah ouais, d'accord. Militaire, ça ouvre la porte à pas mal de choses. Hein. Allez, on va faire ça. Oh, dis-donc, à la vitesse où ça va se rechercher. C'est bon, ça. Yes, la ligne d'acier est... importer. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans militaire? C'est quoi ça? Porte automatique, très bien. Voilà les portes, les fameuses portes. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est... Ah, j'ai plus de tapis. Allez, deux stacks de tapis roulants supplémentaires pour l'instant. Ici, alors mon idée, c'était d'automatiser le remplissage des fluides. Donc on va mettre deux comme ça. Production de ça, on va faire ça, on va faire ça. Du coup, moi ce que je veux, c'est produire du pétrole lourd. Non, d'abord du jaune et après du orange. Ok, il faut que je fasse venir donc le jaune là. Ah, bah ça me semble pas mal comme installation. Premier tuyau comme ça, deuxième tuyau comme ça. Oui. Ok, les liquides arrivent. Les bras arrivent. L'électricité est là. Ah, mais les barils, ils les fabriquent pas tout seuls. Ah, il faut que je fabrique les barils en amont. Ah, bravo, faut tout faire. Hein. Moi, je pensais que les barils allaient arriver tout seuls. Ok. Donc d'abord on fait les barils. Donc il me faut deux machines, deux trucs de prod. Enfin une ligne de prod pour les barils. Ce que je vais faire, je vais quand même faire une ligne, ouais. On va faire deux lignes de prod comme ça. On va venir y mettre nos barils là. Un dédoubleur. Ah j'ai plus de bras aussi. Bah dis non, j'ai plus rien. Hein. C'est la dèche. Hein. Ouais, prochain épisode c'est ce qu'on fera. Hein. On fera des chaînes automatisées de certaines choses parce que là ça devient compliqué. Alors c'est pas le fer qui me manque a priori, c'est peut-être le cuivre. Ouais c'est ça, c'était le cuivre. Voilà, on va mettre un poteau. Et là on fait des barils. C'est parti pour ma prod de barils. Voilà. Et du coup ici je vais brancher ma prod de... Voilà où on va amener les fluides. On va refaire un truc propre. Hein. Ici moi je veux faire du jaune, du orange, du jaune d'abord. Du orange d'abord là. Du jaune là. Est-ce qu'on peut tourner ça? Oui. Détoyant. Armure modulaire. Module de vitesse, module d'efficacité. Bah on y va hein, dans les modules. Vous pouvez les mettre un peu plus loin. Yes, super. Et après, on va faire d'autres tuyaux. Yes. Alors ça c'est ok. Ça c'est pas ok. Les recherches sont encore terminées. Hop,
On y va, module de prod. Alors ici. Ici. Il me faudrait deux bras longs. Un là. Le truc c'est que je pourrais pas mettre les deux. Si on va mettre les deux sur le même tapis. Comment on sait ce qu'il y a dedans? Que des jaunes. C'est bizarre. Je voulais mettre deux coffres moi. Ah là il y a un problème. Il y avait un problème technique, hein, un problème de tri. Voilà, c'est parti. Ah oui, effectivement, il y a bien des rouges. Donc comme ça, on va stocker pour l'instant. Et ça va me permettre de dégager l'autre chaîne de prod. Donc ça, c'est parfait. On continue les recherches. Bah, de toute façon, cette chaîne de prod est au taquet. Ici, je voulais faire avec ça, je voulais faire ça. Donc là, il va me falloir de l'eau. Je sais pas si la tuyauterie est bien manchée, là, non. Hop. Voilà, il y a de l'eau qui circule, c'est parfait. Et ici, donc, pour faire ça, il me faut un bras robotisé qui va faire ça. Il manquera que le fer. Hop, pour amener du fer là, il faudrait que je fasse un tunnel là. Voilà, parfait. Donc, un tunnel là pour amener du fer par là. Allez, recherchez l'armure. Voilà, on attend que ça soit fini. Un bras rouge aussi dans la foulée. Et ça, c'est pour me produire quoi? L'acide sulfurique. J'espère que ça se trimballe sur un bras. Hop. Ah, bien sûr que non, c'est dans un tuyau. Et l'acide sulfurique, il me faut aussi des plaques de cuivre. Ah, putain, là, ça va être plus compliqué. Non, ok. Acide sulfurique. On va retourner la raffinerie, on va faire ça. Hop, ça tourne. Très bien. Ici, on va faire venir le cuivre. C'en est où le cuivre, là-bas? Ah, il me faut un répartiteur. Ah, il me faut du monde, là. Il me faut du monde. Répartiteur, bam. Ah, pour l'instant, est-ce qu'il y en a besoin? Ça vient comme ça, hein. Un tunnel. Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse ici. On va faire un mélange de fer et de cuivre. Ah, comme ça. Voilà. Et le cuivre, je le fais venir comment, le cuivre, moi? Pas qu'il arrive là. Ah, ça va pas du tout. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Équipement de vision nocturne. Batterie portative. Allez, va pour ça. Du coup, il manque un tunnel. Là. Allez, dépêche-toi le tunnel. Eh ben, c'est parti. On y va. On produit des batteries. Yes. Eh ben, c'est parfait. Voilà, notre production de batteries, elle est au point. Donc ça, c'est top. Production de batteries qui me permettra, du coup, je le rappelle par la suite. Oh, panneau solaire portatif. Je rappelle que voilà, les batteries me serviront à faire des accumulateurs qui me permettront d'avoir de l'énergie même la nuit, hein, donc c'était ultra important. Voilà, on a commencé un peu notre chaîne pétrolière, ça a été non sans difficulté, l'épisode va être méga long, mais au final je suis plutôt satisfait, plutôt parce que ce qui est embêtant dans le jeu, c'est quand vu que tu maîtrises pas la chaîne, et bah tu fais un peu à tatillon et ça te plaît pas, il faut refaire machin et tout. Bon voilà, c'est un peu le principe du jeu, hein, en même temps, hein, mais voilà, je suis mitigé sur cette partie là, faudra voir si je continue sur cette voie là. Je suis mitigé aussi sur mes chaînes de prod de cette manière là, est-ce que c'est la bonne façon de faire, je sais pas. Voilà, faut que je réfléchisse à tout ça, faut que je vois comment je m'organise par rapport à ça. Je vois qu'il y a des chaînes de prod. Putain, ils m'ont carrément détruit des fours en fait là. Oh les cons, ils m'ont bien fait mal quand ils sont venus, hein. Ah ouais, ils m'ont enlevé, ils m'ont détruit des fours, ils m'ont détruit des bras. Voilà, bon. Faudra reprendre un peu tout ça. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a plus rien qui marche? Ah bah parce que c'est full, je suis con. Voilà, faudra reprendre un peu tout ça, voir un petit peu pourquoi ça fonctionne pas. Et puis voilà, continuer l'aventure. Franchement, c'est hyper palpitant, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Oh, c'est bon ça, les robots logistiques sont une alternative flexible aux convoyeurs. Ils transportent des éléments entre des coffres spéciaux, des coffres logistiques, très bien. Ben, on va faire ça et puis on verra au prochain épisode ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vous abonner, tout ça. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur Factorio ou ailleurs. Allez, ciao tout le monde, bye bye.